Salut à tous les amis, donc ce coup-ci un démarrage dans des bonnes conditions. Donc je vais vous expliquer le système du potard que j'ai mis au point. Enfin que j'ai mis au point. C'est pas moi qui l'ai mis au point, mais franchement ça marche. Plutôt que d'acheter des boîtiers flex fuel ou à l'autre con là et qui servent à rien du tout. Alors je prends pas le Scénic qui est là-bas parce que lui il a déjà roulé et clairement vous allez rien comprendre au procédé. Vous voyez qu'ici dans la petite boîte, et oui, cette voiture est encore en vie. Franchement, alors je sais pas à combien de kilomètres elle en est, mais celui qui me dit, oh, l'éthanol, tu flingues tout, nanani, nanana, ça va faire. Oula. Voilà. 200, je sais pas si on verra bien. 244 000 kilomètres et ça fait 60 000 kilomètres que je roule qu'avec de l'éthanol pur dedans avec ce système-là. Donc clairement, s'il y avait dû avoir un problème, je pense qu'il se serait quand même manifesté depuis belle lurette. Alors mon système, il est simple. Ici dans la petite boîte, j'ai installé un potard, vous voyez, qui est là, qui retourne. C'est un potard d'ampli Scott. Voilà. Alors c'est des potentiomètres qui font 40 kilo-ohms, donc il ne faut surtout pas les tourner à fond. Si vous les tournez à fond comme ça, vous envoyez une trop grosse résistance, et là clairement, ça peut carrément foutre le feu. J'ai un pote qui avait oublié en fait, parce que c'est juste pour les démarrages à froid, ce système. Tu roules pas avec ça. Il faut se le mettre dans le crâne, quoi. Donc Twingo, injection indirecte, et puis peut-être, je sais même pas si on peut franchement appeler ça une injection, tellement le système est entre le carbu et le starter automatique. Bref, je vous explique. Là, je suis en position fermée. Il fait froid, même s'il est midi et demi, je peux vous assurer que ça caille à mort. Qu'est-ce qui se passe si je vais démarrer? Écoutez bien. Ça démarre avec du mal. Et surtout, si j'appuie maintenant la pédale. Voilà, ça cale. C'est ce qui se passe avec tous les moteurs. Où on met de l'éthanol. Bref, c'est même miraculeux d'ailleurs, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle démarre, parce que normalement, en fait, vous pouvez faire ça 20 minutes avant que ça marche. Là, c'est un miracle. Je tourne mon potard aux trois quarts. Je démarre. Déjà, ça n'a plus rien à voir. Et là, je peux appuyer. Et ça marche. Voilà. Le système, il se compose de quoi? Un potentiomètre, donc là que j'ai percé, fait chier, putain, oh là on voit pas bien, voilà. Hop, raccordé à un fil, je l'ai fait à l'arrache en fait sur la Twingo. Donc là vous allez comprendre en fait où ça va. Arrivé là, le fil, vous voyez, il passe en vrac. On s'en fout, c'est pour le schéma. Il arrive ici à la sonde de température branchée en série. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est très très simple à comprendre. En fait, si tu achètes un boîtier flex fuel, j'ai déjà le baissé un petit peu, voilà. Si tu achètes un boîtier flex fuel, tu vas directement ponter ton boîtier sur le calculateur et tu vas réguler en fait l'injection. Ça fait qu'en fait, ton truc va envoyer beaucoup plus de carburant, mais tu touches directement le boîtier. Alors, ça vaut cher, tu fais au final aucune économie. La deuxième des choses, c'est que tu peux arriver au même résultat en trompant le calculateur. Et tu le trompes comment ton calculateur? Tu le trompes en fait à partir de la sonde de température d'eau. C'est-à-dire que cette résistance-là qui est branchée en série sur la sonde de température, elle va faire croire en fait au moteur, plus tu vas augmenter la résistance, plus qu'il fait froid. Donc quand je la mets aux 3 quarts, savoir à 10 kilo-ohms, en fait, elle va lui faire croire qu'il fait moins 118 degrés. J'avais fait un test avec la valoche à l'ODB2. Oh putain, vache, j'ai une rhino en ce moment, tout le monde est malade ici, à bordel allergique, un truc de fou. Bref, et au final, qu'est-ce que va faire justement le calculateur? Il va commander d'envoyer plus d'éthanol dans le moteur, ce qui fait qu'en fait, le moteur, après, tourne comme une horloge, quoi. C'est aussi con que ça, ça coûte 3 euros, il faut juste un fil d'enceinte et un potentiomètre de récup. Et voilà, vous arrivez au même point. Alors par contre, comme l'avait dit, c'était merde, Jeep Garage je crois. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo
qui parle du rapport volumétrique, et là il a totalement raison, hein, il n'y a pas de secret. De toute façon, le rapport volumétrique sans plomb, air, et puis éthanol-air, je crois que c'est 14-7 pour le sans plomb, et ça doit être 9-8, je crois, pour l'éthanol. Donc à partir de là, il n'y a pas de secret. Tu vas recevoir plus d'air, tu vas marcher moins bien, ça c'est sûr. Ou alors, tu peux augmenter ton apport en air, je ne sais pas par quel miracle, pour arriver à peu près au même résultat. Quoi qu'il en soit, c'est très dur. Attendez, je vais désembuer là, parce que moi je vais partir dans le gris, là je vais au Toubib. Mais je vous invite vraiment à voir sa vidéo, à savoir que sur cette voiture-ci, sur la Twingo et sur le Scénic, je n'ai plus de sonde lambda sur l'échappement. Sinon, je ne pourrais pas faire ce que j'ai fait. La sonde lambda, en fait, elle rapporte justement des informations au calculateur. Et au final, comme sur celle-ci, ce n'est pas le cas, mais sur le Scénic que vous voyez là-bas, c'est une injection directe électronique, c'est-à-dire que vous n'avez même pas de bougie dessus. Ce sont carrément des bobines d'allumage, une par cylindre. En fait, à partir de là, elle envoie directement les informations au calculateur et vous êtes complètement baisé. Si vous ne chattez pas la sonde lambda, vous êtes mort, hein. Ça, c'est clair et net. Ça fait une merde en moins, vous polluez moins, vous consommez moins. Enfin, vous consommez aussi un peu plus quand même avec l'éthanol. Mais je veux dire, vous dépensez moins quand vous faites le plat, vous roulez un peu plus vert. Franchement, il n'y a pas photo, hein. La Twingo, elle me revient à 25 euros quand je fais le plat, hein. 25 euros étale plein. Et le Scénic, j'en ai pour 50 euros si je coupe avec un peu d'essence. Parce que comme je ne savais pas au départ et que je l'ai depuis pas longtemps, j'ai voulu couper un peu avec du sans plomb. Mais au final, avec de l'éthanol tout seul, ça marche très bien, quoi. Éthanol plein, il fait 60 litres. 60 litres, ça va faire 35 euros. 35 euros le plein. Donc voilà, si vous voulez faire le plein en sans plomb, maintenant c'est 100 euros, quoi. C'est un truc de fou. Par contre, à savoir, très important, si je l'ai fait sur deux Renault, c'est pas un hasard. Les Renault, que ce soit à partir de la première Laguna en moteur 1 litre 8 16 soupapes, les Twingo, les. Attendez, oh là, il commence à y en avoir un petit peu beaucoup. Les Scénic qui ont les mêmes moteurs que les Mégane, les Laguna 2, tout ça, elles sont très réceptives à l'éthanol. C'est-à-dire que ça marche très facilement. C'est des voitures qui marchent très facilement. Maintenant, tu peux pas faire ce que je viens de faire sur un moteur turbo, tu vois. Si tu as une Subaru. Une BM M4, j'ai une anecdote excellente d'ailleurs avec ça, avec une M4. Ce genre de moteur turbo, rotatif, t'y penses même pas. Là, j'ai un ami qui roule à l'éthanol dans une RX8. Tu vas voir que le moteur va pas tenir longtemps. C'est déjà des moteurs qui sont extrêmement fragiles. Si tu mets de l'alcool dedans, ça a dérivé. Ouais, de l'alcool, oui, en fait, l'éthanol, ça a dérivé d'alcool de betterave. Donc, au final, si tu mets ça dedans, ça va assécher tout le bordel. Ça n'a pas un système. Pas de lustre, de lubrification par huile classique comme les pistons dans les chemises. Je peux vous assurer que sa RX-8 dans 300-400 km, elle est morte. Mais bon, de toute façon, il écoute rien, il se démerde, il fait ce qu'il veut. Enfin, bref, c'est pas mon problème. Anecdote très intéressante, donc je disais avec une M4, c'est qu'il y a un ami, enfin, un ami, c'est pas un ami, hein, honnêtement, c'est une connaissance, voilà, un gars que je connais qui s'est payé une M4 GTS, vraiment une énorme bagnole, un truc de fou. Et justement, il voulait. Alors, c'est quand même bizarre parce que quand tu te payes une bagnole comme ça, tu as quand même les moyens. Mais lui n'avait pas les moyens, par contre, de mettre l'essence dedans. Il s'est rendu compte quand même que le bordel pompait 22 litres aux ans. Donc, voilà, il y a un moment, il s'est dit, il a été voir chez BM, il a fait, est-ce que vous faites des boîtiers éthanol pour ça? Alors, eux, ils lui ont présenté le boîtier phare de chez BMW. 900 euros le boîtier, hein, je précise quand même. Donc, on n'est pas sur du petit boîtier. Et il a installé ça sur la M4. La M4 a fait 600 km. Moteur flingué. On ne met jamais d'éthanol sur un moteur turbo. Je vous assure, même avec une cartographie, ce que vous voulez, l'éthanol déjà n'a pas le. Il n'est pas aussi calorifère en fait que le sans-plomb. Il faut énormément d'énergie, tu vois, pour un moteur turbo. Un moteur turbo, déjà, ça doit tourner à l'essence. Tout le temps. En tout temps. Tu ne fais pas tourner ça avec de l'alcool de betterave, merde. Voilà, ça c'est des petits moteurs. Là, tu as un 1 litre 2. Là à côté, c'est un 2 litres 16 soupapes pour le Scénic. Alors, bizarrement, mon voisin avait essayé. Bah, si, sur la Mégane, si ça marchait, c'était les démarrages à froid et je n'avais pas fait ça. Mais bon, les démarrages à froid, c'est une calamité. C'est bête, franchement, là on est en février, vraiment, qu'il ne gèle pas, qu'il fasse un froid de canard et que je vous la démarre le matin, vous comprendriez vraiment quelle galère c'est à démarrer un moteur éthanol. Quand tu n'as pas ce système là, quoi. Putain, je regarde d'ailleurs que je l'ai refoutu à zéro parce que là, ouais, c'est bon. Hop, voilà, maintenant tu roules normalement. Et puis tu vois, je peux appuyer. Voilà, hop.
Ça y est, fini. Fini les emmerdes, quoi. Le bénéfice de l'éthanol, quoi. Mais allez voir quand même la vidéo de Jeep Garage sur le rapport volumétrique qui est très intéressant. N'achetez surtout pas de boîtier à Gaillard le bricoleur, là, je vous assure. C'est... Ah, je crois que le seul ingénieur qui va bosser là-dessus, c'est sur celui qui va faire le boîtier en plastique autour de... du circuit imprimé, quoi. C'est... Non, mais sérieux, quoi. Déblatérer autant de conneries dans ces vidéos, méca run ceci, méca run cela. Quand tu mets déjà des additifs dans tes produits, que ce soit de l'huile, de l'essence, ce que tu veux, tu mets rien, en fait. Forcément, les mecs qui te vendent ça sont très intelligents, parce que forcément que tu feras plus de kilomètres. Si tu mets un litre d'additif, ben ça te fait un litre de liquide en plus. Et donc forcément, tu feras plus de kilomètres, t'en feras pas beaucoup plus. Hein. Tu feras peut-être 10 kilomètres de plus, forcément, vu que t'as mis un litre de saloperie en plus. Mais c'est tout, quoi. Tous les additifs pour moteur, ce sont de la pure connerie. Un moteur, ça s'entretient, c'est mécanique. Tu fais pas n'importe quoi avec un moteur à mettre des produits à la con. C'est comme les bouches... les bouches fluides d'huile là que tu mettais, bah Méca Run notamment, encore un produit présenté par Gaillard le bricoleur. Le truc, tu mets ça. Moi j'ai eu plein de cas de gens qui en ont mis justement. Alors c'était peut-être pas du Méca Run, il y a eu du Bardal aussi, beaucoup Bardal, avec un produit de mer notamment sur le là-dessus. Tu mettais ça dans ton huile, c'était censé boucher les fuites aux joints de culasse et joints de carter. Et au final, les gars se retrouvaient carrément avec une pompe à huile qui était bouchée, quoi. Et alors là, quand ton huile, elle ne monte plus, eh ben, tu peux faire ton signe de croix, parce qu'à part tout démonter, renettoyer ta pompe à huile, je vous assure, c'est une galère sans nom, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas en mécanique. Pour ceux qui s'y connaissent, ils sauront très bien de quoi je veux parler. C'est, voilà, c'est affreux, sans compter la pression d'huile qui va monter à un stade que tu n'imagines même pas. Ce que j'avais eu sur la Safrane. Safrane qui a été vendue, d'ailleurs, avant-hier. Elle est partie avant-hier, voilà. Est parti sur Metz. Et je sais que le gars, lui, par contre, sera vraiment pas emmerdé, parce que le moteur, j'en ai pris soin, je l'ai vérifié jusqu'aux injecteurs, à tout ce que tu veux, c'est... Voilà, j'ai nettoyé tout le circuit de turbo, de pression d'huile, de... Quand tu vends quelque chose, fais-le correctement, merde. Voilà. Mais Gaillard le bricoleur, c'est ni plus ni moins qu'un commercial, quoi. Ce mec, c'est un commercial. Et il vend ses produits de merde. Sa Porsche Cayenne, elle était juste là pour faire joli, pour donner la confiance, tu vois. Tu vois, si tu mets, par exemple, si je te fais les mêmes vidéos que lui avec une Twingo, tu vas dire, bon, pff, tu t'en fous, quoi. Si ça foire, au pire, t'as massacré une Twingo, voilà. Mais quand tu mets un Porsche Cayenne, tu vois, en arrière-fond, tu te dis, putain, le mec, putain, il met quand même ses produits et tout dans un Porsche, putain. Vraiment, respect. Alors que le Porsche, au final, il ne l'a jamais vendu, il ne l'a jamais eu. C'est un truc qui était là... destiné à faire joli dans le décor, au final le mec l'a repris, hop, terminé, voilà. C'est, on se fout de ta gueule de A à Z sur la chaîne là, quoi. Je pourrais t'en citer des conneries qu'il a dit, mais des tas. Je crois que j'ai jamais vu une chaîne déblatérer autant d'âneries autour de la mécanique, quoi. Je suis certain qu'au fond de lui, c'est pas un mauvais gars, mais sa chaîne est juste là à but commercial, se faire du pognon. Et les gens là, franchement, sur internet, il y en a de plus en plus, notamment YouTube, il y a vraiment plus que ça maintenant, et moi ça me donne envie de gerber, voilà, tout simplement. C'est... Les gens-là, je vais les démonter un à un, quoi. Un à un, quoi. Là, c'est le tour de Gaillard le bricoleur. Je crois que je vais m'arrêter franchement sur son cas, parce que si vous êtes quand même un brin intelligent, vous saurez qu'il n'a aucune exclue pour un boîtier éthanol magique avec cartographie. En plus, tu peux choisir ta carto. Alors, j'aime autant te dire que ta carto, déjà, tu la choisis pas au hasard. Ça se règle déjà sur un moteur, tu vois. Tu fais pas n'importe quoi en tournant un potard et allez, hop là, 600 chevaux et allez, hop là, 800 chevaux. Non, non, c'est n'importe quoi. Franchement, n'écoutez pas ce type. Si vous tenez à votre bagnole, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Lui, son équipe de Bracas et de Bordeaux, là, à mon avis, je serais curieux de les rencontrer, je vous le dis. Parce que ça, vous le verrez jamais. Hein. Pour ces ingénieurs à la con, là, vous êtes sûr de jamais les voir, quoi. Ça va être un pote à lui qui va arriver en blouse blanche, hein, un ami commercial de la même boîte. Ah oui, moi, spécialisé dans les boîtiers et tout ça. Le mec ne connaît même pas le rapport volumétrique non, mais entre air éthanol et air sans plomb. Enfin bref, j'ai même pas envie de parler de lui, quoi, tellement il est pourri, mais il y en a plusieurs quand même dans le cas qu'il va falloir s'occuper gravement sur Internet. Alors heureusement, on a quand même des mecs comme Maxella qui sont là pour nettoyer un petit peu toute cette merde. Comment il s'appelle, Clément Fraise aussi, vraiment des mecs que je salue qui font vraiment un taf admirable. Bon, en mécanique, laissez-moi gérer, je vous le dis, parce que je sais quand même de quoi je parle. Donc, je nettoierai, chaque fois que je verrai de la merde, de toute façon, je nettoierai un petit peu, quoi. Je crois que la prochaine fois, on va quand même s'attaquer à une émission Pimp My Ride, parce que j'ai vu un épisode qui m'a... Ah, il m'a presque donné la trique, dis donc, cet épisode. J'avais jamais vu ça.
Dans le monde du tuning, j'avais jamais vu ça encore, quoi. Là, c'est plus du tuning, c'est de la magie. La magie! Non, je vais arrêter avec ça parce que ça me reste en tête. Allez. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis voilà, quoi. Mais ne mettez pas de boîtier éthanol sur des voitures récentes. Ça pue la merde. Faites-le sur des voitures génération 98, 2002, 2004. Voilà, là, ça passe tout crème, quoi. Et surtout pas sur de moteur turbo. Jamais de moteur turbo en éthanol. Voilà. Allez, bye les amis. Ciao.